Yacht de Féliard qui a pris son sillage, sorti bientôt du tournant. Timoko, Royal Rim avec Quinoa du Gers, tous les trois de front, suivi par Amour d'Ocagne, Rêve de Belève, Menwaisas qui est en dehors. Triote de Féliard également en dehors dans le sillage de Menwaisas. Quaker Jet s'est décalé, il est au centre dans un peloton bien groupé. Ouais, accélération de Quinoa du Gers. Royal Rim l'a laissé faire et se retrouve derrière maintenant Mathieu Abrivard, mais il se décale. Jean-Philippe Dubois, alors que Menwaisas, le double tenant du titre, doit venir maintenant tout à l'extérieur. Avec une course tactique, hein, on s'observe beaucoup avec Timoko qui a l'avantage. Menwaisas qui vient avec Royal Rim au centre. Triote de Féliard se retrouve en suspension, il va devoir accélérer pour avoir des tournants. Quinoa du Gers bien sur une troisième ligne, Amour de Cagne est à la corde et on retrouve ensuite Rêve de Belève et Oropurobar en queue de peloton. Une nouvelle attaque, celle de Trio de Féliard qui vient maintenant aux avant-postes, qui vient à la hauteur de Timoko. Menwaisa s'est repris, il est en troisième position, Royal Dream est tout près, alors qu'à l'arrière Roxane Griff ferme la marche avec Kumbad Ghez. Poteau des 1000 derniers mètres bientôt, Timoko, Trio de Féliard toujours devant Amour de Cagne, Menwaisa qui vient maintenant au centre, Royal Dream qui est juste derrière Menwaisa, qui a Quinoa du Gers également qui vient plus loin, alors que Quaker Jet se retrouve quant à lui sur une quatrième ligne à la corde. On ne va pas battre de record. Une 13-3 mille mètres du poteau, c'est très tactique. Avec en tête de course Timoko, le vainqueur du critérium de vitesse de la Côte d'Azur, à son extérieur, la championne de Jean-Paul Marmion, Trio de Féliard, Amour de Cagne tout près. Menwaisa n'est pas très loin. Royal Dream attend. On a complètement repris. On se dirige vers le dernier tournant. Ouais, ça va jouer sans doute sur un déboulé avec Timoko, Trio de Féliard, toujours suivi par à la corde Amour de Cagne. Menwaisa au centre. Il y a quelques attaques qui se précisent. Rêve de Belève qui tente de venir. Et Kumbad Ghez également qui vient très vite. Ouais, la course va démarrer sèchement maintenant avec Kumbad Ghez lancé par Jean-Michel Bazir. Mais on va lui repartir sous le nez avec Timoko qui va encore facile. Avec à son extérieur, Trio de Féliard tout près également. Menwaisa, Royal Dream est complètement enfermé. Amour de Cagne tente de résister avec Paladin Bleu. Accélération de Timoko qui démarre maintenant avec Trio de Féliard. Et on accélère avec Timoko toujours qui lutte avec Trio de Féliard, suivi par Kumbad Ghez. Menwaisa qui tente de venir. Amour de Cagne également. Timoko, Trio de Féliard qui lutte. Timoko, Trio de Féliard. Rien n'est fait pour l'instant. Timoko qui a l'avantage, mais Trio de Féliard qui passe à l'attaque. Trio de Féliard qui va peut-être prendre l'avantage sur Timoko. Trio de Féliard, Timoko. Timoko qui repart pour l'instant, mais Trio de Féliard qui n'a pas dit son dernier mot. Timoko qui repart. Trio de Féliard en deuxième position. Timoko qui va remporter ce prix de l'Atlantique. Timoko l'emporte. Trio de Féliard deuxième. Et à distance, peut-être Kumbad Ghez troisième. Quel match pour finir entre le champion de Richard Westerink et la championne de Jean-Paul Marmion. Ça a été magnifique. Timoko est reparti sous l'attaque de Trio de Féliard qui semblait avoir pris l'avantage à 300 mètres du poteau. C'est donc Jas Verbeek qui remporte ce groupe 1, ce prix d'Atlantique. Avec Timoko avant sa participation à l'Elite Lop, il remporte ce groupe 1 sur l'hippodrome d'Anguin. Victoire de Timoko et Jas Verbeek le bras levé qui passe le poteau en tête. 3,030. Deuxième place pour Trio de Féliard qui a été exceptionnel aujourd'hui. 12 euros. Grande performance de Kumbad Ghez qui est troisième et qui a véritablement lancé le sprint dans le dernier tournant. Troisième place pour Kumbad Ghez et Jean-Michel Bazir qui était à la cote de 49 euros. Et la quatrième place pour le double tenant du titre, Menwaisa, le numéro 6. Quant à Royal Dream, il conclut en tête des battues. Quelle lutte! On a vraiment assisté à une superbe lutte pour finir entre ces deux champions. Il semblait dominer Timoko, hein, ouais. Parti de Féliard à quoi, 250 mètres du poteau, 300 mètres. C'est vrai qu'on a eu l'impression que Trio de Féliard avait pris l'ascendant sur son rival, mais Timoko s'est montré extrêmement courageux. Et l'avantage de la corde, hein. L'avantage de la corde de sa position en première ligne, c'est dire la performance quand même de Trio de Féliard qui a dû faire un effort, qui a voyagé à l'extérieur du champion et qui ne s'est pas laissé faire, hein, jusqu'au bout. Ben je disais avant la course que c'était un test face à l'élite pour Trio de Féliard, mais aujourd'hui elle montre qu'elle peut figurer au plus haut niveau et regarder dans les yeux des champions comme Timoko. Ouais, c'est allé à toute allure pour finir. On a eu 500 mètres très très rapide. On retrouve Richard Westerink avec Audrey. Allez-y Audrey. C'est oui, messieurs, parce qu'il y a plein de monde, c'est normal, il est félicité de partout. Timoko, il s'est vraiment montré super accrocheur parce qu'à un moment de temps, on a l'impression que Trio de Féliard lui prend l'avantage quand même. Oui, moi aussi, moi j'avais peur un peu, mais il est dur, il est dur. Comment on fait pour vivre dans les tribunes et une genre de, un style de course comme ça? Moi j'ai dit, je vais prendre un griffe cardiaque, mais mon cœur, ça fait mal à droite et ça va pas à gauche, ça va aller. Direction l'Elite Lop désormais? Oui. Peut-être la semaine prochaine en Finlande, mais on va réfléchir tranquillement après. Félicitations en tout cas. Et on regarde les images de la fin de course, mano à mano entre Timoko et Triote de Féliard. Ça a été magnifique ici sur l'hippodrome d'Anguin. On a vécu un grand moment de sport. Oui, absolument, messieurs. On partage tout ça, bien évidemment. Alors, Timoko, donc, qui nous revenait après sa victoire dans le Grand Critérium de vitesse de la Côte d'Azur, plus fort que jamais, semble avoir trouvé le partenaire idéal avec Jos Verbeek, qu'il a utilisé au mieux de ses intérêts, avec le scénario qu'avait plus ou moins indiqué Richard Westerink dans la presse et dans les médias quelques jours auparavant. Il serait difficile d'aller le chercher, mais c'était bien vu. En tout cas, il connaît bien son cheval. Celui-ci résiste à une Triote de Féliard qui est remarquable à ce niveau de compétition, qui, comme vous l'avez dit, Seb, a vraiment fait ses preuves manifestement aujourd'hui.